Ce mercredi 28 février était inauguré à Lille le village éphémère des maladies rares, organisé toute la journée place Riour à l'occasion de la 11e édition du Rare Disease Day. Cette 11e édition de la Journée internationale des maladies rares permet d'expliquer à tout un chacun que c'est un problème de santé publique. Un Français sur 20 est touché par une maladie rare aujourd'hui. Deux manifestations principales. Tout d'abord, une pièce de théâtre à la Halle au Sucre sur le handicap sensoriel et visuel. Et puis, un village éphémère des maladies rares, place Riour, à Lille, regroupant à la fois les associations, les centres maladies rares du CHU de Lille et l'ensemble des intervenants, des professionnels qui concourent à la prise en charge des patients. Médecins, chercheurs, professionnels hospitaliers et du secteur médico-social, associations de patients et bénévoles se sont mobilisés à cette occasion pour sensibiliser le grand public sur les maladies rares. Comprendre, savoir quelles sont les offres offertes aux patients ou aux familles de patients porteurs de maladies rares, se mettre dans la situation à travers un certain nombre de jeux sur la cécité, sur le handicap sensoriel, moteur, des patients porteurs de maladies rares et comprendre ce vrai problème de santé publique aujourd'hui.